Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo annonce. Monsieur Darkhaven, à toi la parole. Ça pour ça. Tu me l'as déjà fait, c'est pour ça, super chance. Bonjour à tous les amis, c'est Darkhaven. Donc je suis en compagnie aujourd'hui de Azoching. Salut petit panda. Donc Juju que vous avez vu. Oui, je suis là. De Cyanure. Salut. Et de Lyon. Oui, bonjour. Salut. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis en ce jour heureux, fatidique et ainsi de suite, toujours parce qu'on adore dire. C'est ça. Non. Pour quelque chose d'important, de très important, parce que c'est quelque chose sur lequel Juju et son équipe bossent depuis déjà un bon petit moment. Oui. Hein. Alors, je te laisserai mentionner tout le monde parce que je dois pas connaître tous. Ouais, je ferai tout après. Mais en tout cas, voilà, c'est la création de live.onigiri.tv, petit endroit sur lequel vous allez pouvoir vous retrouver tous ensemble avec en compagnie des gens qui sont pour le moment cités que nous avons vu tout à l'heure, donc monsieur Azn, monsieur Dark, mademoiselle Cyan et mademoisselle Liang. Je dis bien mademoiselle, vous n'êtes pas mariée encore, hein? Non. Oh mon dieu, des cœurs à prendre, magnifique. Mais tu sais qu'on n'a plus le droit de dire mademoiselle de toute façon. Ouais, féministe, tu sors, t'es virée. Mademoiselle. C'est plus madame ni mademoiselle, c'est la vieille, quoi. D'entrée. Toi, tu te calmes tout ouais, de suite. Ouais, non, tu te calmes. C'est une web TV. Une petite web TV où vous allez pouvoir regarder plein de streams, de plaisir, de bonheur. Voilà, donc on a Lyon qui participera, donc tu feras des streams aussi également. Hein, on oui, a Sia, tout à fait. Juju, il y a Tab, il y a nous. Également. Alors moi je préviens, ce n'est pas le seul endroit sur lequel on va streamer, mais c'est un endroit où on passera régulièrement, certes, ça c'est sûr. Mais je précise pour pas que les gens disent ah t'appartiens à un tel ou un machin, non, risque de me retrouver plusieurs fois. Donc voilà. Voilà. C'est un truc sur lequel moi je tiens vraiment à mettre l'accent dessus. C'est pas une web télé qu'on lance, c'est un point de rassemblement. Voilà, c'est sur live.onigiri.tv. Donc effectivement il y a des lives, mais le but c'est pas d'avoir une web télé avec un programme sur la TV1. Il va y avoir ci, il va y avoir ça. C'est pas du tout le but. Le but c'est vraiment d'avoir un endroit où on va pouvoir centraliser les gens avec un chat qui fonctionne bien, etc. D'ailleurs Sibou, coucou à toi et gros merci, parce que gros taf qu'il a pu nous fournir. Et donc vraiment le but c'est vraiment de pouvoir se retrouver dans des lives détente, tranquille. Quelquefois il pourra y avoir des lives qui vont être beaucoup plus travaillés, beaucoup plus étoffés, avec des trucs beaucoup plus programmés, mais ça c'est à la charge de chaque streamer si jamais il veut prendre un emplacement un samedi soir pour faire une nuit blanche, ou un vendredi parce qu'il y a un événement, un mariage ou j'en sais rien. Ouais, on va faire des mariages. On pourrait se lancer dans les mariages. Mariage en live. Bah ouais. On va faire des mariages en live. C'est un concept. Ça me rappelle le truc à la télé où ils devaient voter pour les mariages des autres, tu sais. Ouais. Non, finalement non, on va pas faire. Non, c'est. Non. Non, voilà. Non, le but c'est vraiment d'avoir un endroit où tout le monde puisse se retrouver et puis passer de bons moments ensemble, etc., etc. Donc on a hâte de vous retrouver en tout cas nombreux pour le plaisir. Ça sera surtout du plaisir parce qu'il y a plein de jeux forcément que j'ai pas eu le temps, ou pas des choses que j'ai pas forcément eu le temps de le faire. Enfin, pour notre part en tout cas, ça va nous permettre vraiment de pouvoir en plus jouer. Donc comme on est tous un peu dans des esprits un peu de jeux multijoueurs, donc ça nous permet en plus d'être avec tout le monde, de pouvoir jouer. Et ça c'est super cool, et toujours en votre compagnie. Et ça c'est toujours quelque chose de super génial. Donc on attend ça avec impatience. Hein. J'ai pas encore eu le temps de le tester, donc je parle mais un peu sur du vide encore. Donc, ouais. Tu fais confiance. Mais je fais confiance. Bah, j'ai vu. Du teasing. Non, c'est. Moi j'ai testé. Ouais, c'est Sian qui a d'ailleurs testé, puisqu'en fait nous tournons cette vidéo 2 jours après le live de Sian, justement où on a pu tester avec quelques petites personnes qui étaient. On était une petite trentaine où on a testé ça. Et ça a bien fonctionné, on n'a pas eu de gros bugs majeurs, donc c'était cool. Donc venez nombreux les amis. Voilà. On vous attend nombreux. Est-ce que tu avais autre chose encore à citer, peut-être des choses? Ouais, ou mais des de détails. Toute façon, tout ça, moi, je vais faire une présentation beaucoup plus globale du site, de comment les choses fonctionnent, comment vous allez pouvoir vous connecter en récupérant vos comptes, etc. Mais tout ça, je le ferai dans une deuxième partie de la vidéo, après un écran pause. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme écran de pause? Et donc deuxième partie de vidéo où pour cette partie là je suis tout seul pour vous présenter un petit peu le site et voir comment pour vous il va être mis en place. Alors ne vous inquiétez pas, pour le moment c'est vraiment avant gros lancement, donc c'est pour ça qu'il y a peu d'articles. Le seul article pour le moment qu'on a souhaité remettre en place c'était le ressource pack, donc vous pouvez aller sur le ressource pack pour pouvoir télécharger les dernières versions, alors toutes les versions qui sont depuis la version 1.5. donc il y a la
version 1.5 en Creative and Survival, la version 1.6 pareil Creative Survival, version 1.7 à Creative Survival pour le compte Dory, superbe map qui a été réalisée par Yep. Dessus nous avons fait une petite aventure suivie avec Tab, Sian et Yuyu. Donc vous pouvez le voir sur la chaîne de Tab si vous voulez le voir. Et donc il fallait faire des petites adaptations sur le pack de textures. Donc pour le compte Dory, il y a une version en 1.7, la version Sky and Arm sur laquelle vous avez que le ciel si vous avez Optifine ou MC Patcher. Et pour la version 1.8, pour moi, où il n'y a que le survival, bon, il y a tellement de différences entre le survival et le créatif que c'est pour ça que c'est pas bien grave. Vous pouvez voir encore que le site, pour certaines parties, n'est pas encore entièrement traduit, enfin en tout cas le thème. Vous pouvez voir aussi en dessous, alors pour le moment, normalement, si jamais les choses sont bien faites, au moment où la vidéo sera publiée, la partie du bas devrait être modifiée avec les liens Facebook, Twitter... YouTube de Onigiri, vous pouvez les retrouver. Bon, je pense que si jamais vous visitez cette vidéo, vous êtes un petit peu au courant de comment fonctionne un petit peu Onigiri. Enfin, je l'espère. Mais si jamais vous connaissez pas, eh bien bonjour à vous. Et puis, installe-toi tranquillement, on est cool. Sur la page d'accueil, vous pouvez voir que il y a le lien vers les derniers tweets que l'on a mis ou qu'on a RT. Il y aura une petite page vidéo où justement très certainement cette vidéo là que vous êtes en train de voir, elle sera très certainement affichée à la place de celle-ci. Il y aura d'autres vidéos aussi, des membres de Onigiri ou des membres de streamers, donc voilà, on les mettra en place. Un lien de téléchargement sur lequel vous pourrez voir le pack de textures. Il y aura, alors ça c'est à titre perso, mais à titre perso dessus, c'est là où vous pourrez, dans cette section là, vous pourrez télécharger Holy Build, toutes les versions de Let's Build que j'ai pu faire. Tout ça sera ici, etc., etc. Et la partie pour vous la plus intéressante, la partie live. Alors ne prenez pas en compte pour le moment sur le site, là ce qui embête c'est le Twitch, mais très rapidement c'est quelque chose qui devrait changer. On devrait passer sur Dailymotion. On a notre compte Dailymotion qui a été créé, tout et tout. Là c'est au moment où j'enregistre, il y a ce soir Sian qui fait un live. Donc qui a besoin d'avoir le lien avec le Twitch, parce que pour le moment toutes les petites modifications techniques qui sont en fond ne sont pas entièrement terminées. Donc voilà comment ça se passe. D'ailleurs vous pouvez voir un petit peu, d'ailleurs il y a Sian qui a déclaré son live, donc du coup quand il y a un streamer qui a déclaré son live, vous pouvez voir qu'il y a une petite présentation qui est en dessous. Vous pouvez voir le lien vers le compte de Sian, le compte Twitter de Sian. Toc, 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 avec ses chats, etc. Ses petits chats qui sont derrière. Oui, non, là je suis en mode où je n'ai rien du tout, donc je suis pas connecté. Après, ici, sur cette partie-là, il y a le chat. Alors bien sûr, vous ne pouvez interagir sur le chat qu'à partir du moment où vous êtes connecté sur le site. Et pour la connexion sur le site, vous pouvez vous connecter via Facebook, via Google+, donc c'est-à-dire YouTube, via Twitter et via Twitch. À noter que sur Twitch, il arrive quelquefois où on ait des bugs. C'est quelque chose qu'on a fouillé un petit peu, on comprend pas pourquoi l'API de Twitch n'a pas l'air très très puissante, donc c'est possible que si jamais vous vous connectez sur Twitch il faille plusieurs fois vous déconnecter, reconnecter. Ça c'est vraiment quelque chose qui est indépendant de notre volonté. En tout cas normalement pour tout ce qui est Facebook, Google+ et Twitter, ça devrait fonctionner à 99,9%. À noter qu'une fois que vous êtes connecté, vous avez un petit truc qui va s'ouvrir comme ça, vous connectez sur Twitter avec votre login et votre mot de passe. À noter que onigiri.tv ne récupère aucun de vos mots de passe. C'est vraiment quelque chose sur lequel moi j'ai travaillé dessus, j'ai beaucoup travaillé dessus, parce que on ne veut pas stocker de login et de mots de passe. C'est pour ça qu'on ne passe que via Facebook, via Google+, et via Twitter. Et c'est eux qui nous fournissent une connexion sécurisée pour pouvoir vous intégrer au site internet. On n'a pas voulu créer une base de données, c'est un petit peu pour ça aussi qu'on a développé notre propre chat. Parce qu'une fois on est sur la gaming room, une fois on est sur Twitch, une autre fois éventuellement peut-être sur une autre plateforme. Et on a voulu un petit peu arrêter avec ça, vous trimballer à droite à gauche en permanence, donc c'est vraiment pour ça, c'est pour cette raison-là qu'on a développé le site internet. Pour que justement on ait notre propre chat, on soit indépendant, et après si jamais Dailymotion ne fonctionne plus ou qu'il y ait YouTube qui revienne un petit peu, qui essaie vraiment de revenir sur les lives, nous on aura juste besoin de modifier cette partie là qui est ici, et pour vous, vous aurez toujours votre login, toujours votre mot de passe, mais vous aurez pas votre mot de passe, justement vous vous connecterez directement via Twitter ou via Facebook ou via Google+, ça dépendra de ce que vous avez envie d'utiliser.
Et donc voilà, et donc une fois que vous êtes connecté, vous êtes là-dedans, et puis après, eh bien, alors moi je suis connecté ici sur un autre compte, alors là je vais dire coucou, et quand j'arrive là-dessus, ben voilà, vous voyez que là ici il y a Juju, parce que je suis connecté sur une autre page, qui vient me parler dans le chat. Et donc voilà, donc normalement ça devrait fonctionner parfaitement, en tout cas on l'espère. À noter que si jamais il y a le stream qui peut bugger plutôt que de recharger l'intégralité de la page et d'avoir et de perdre le fil de discussion au niveau du chat, vous avez juste besoin de recharger le player. Donc vous cliquez là-dessus, ça recharge uniquement cette partie-là. Si vous souhaitez aussi pendant le stream partager ce stream-là, il y a l'appel de rire ancestral qui est ici, donc vous avez juste besoin de cliquer ici. Alors pour moi ça marche pas parce que je suis pas identifié sur Twitter, mais normalement ça vous met un petit message avec ce que le streamer a eu envie de marquer dessus, parce que chaque streamer pourra le personnaliser avec un lien vers le live, donc ça c'est cool, ça c'est bien. Et donc voilà, en grosso modo au niveau du stream, voilà comment pour vous ça devrait fonctionner. À noter qu'au niveau de vos pseudos, les pseudos qui sont affichés dans le live, ce sont les pseudos qui sont récupérés sur Facebook, sur Google+, sur Twitch ou sur Twitter, y compris votre avatar. Si jamais vous n'avez pas d'avatar, ils récupèrent un avatar par défaut ou de Google+ ou de Facebook, sur Twitch aussi. Sur Twitch ça met quelque chose de vide et sur Twitter ça vous met un petit avatar, vous savez le petit œuf. Donc si jamais vous voulez modifier votre avatar, vous le modifiez sur Twitter et automatiquement vous faites une déconnexion, reconnexion, et quand vous vous reconnectez, vous allez avoir un petit encart qui vous dit connectez-vous, il faudra que vous rechargiez la page. Ça c'est par notre ossature où on ne peut pas faire différemment. Mais bon, ça j'espère que dans le temps c'est des choses qui pourront évoluer. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire, sachant que on va créditer quand même un petit peu les gens qui nous ont aidés grandement. Donc je tiens mais vraiment à remercier très très fort, mais très 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 fort, Monsieur Ciboulette, qui pendant ses vacances a sacrifié pratiquement presque plus de la moitié de ses vacances pour finaliser le chat. Il s'est occupé en très grande partie du chat et de la partie admin du site internet. Donc ça c'est vraiment vraiment gros coup de chapeau à lui, parce que sans lui c'est quelque chose qui aurait pu être mis en place à ma petite échelle. Je pense que ça m'aurait demandé à peu près 3 mois de développement, et lui il est arrivé, il a mis les mains dans le cambouis et il nous a sorti ça en très 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 peu de temps. Donc du coup Monsieur Ciboulette, gros merci à toi. J'en profite aussi pour dire un merci, même si jamais ils ont moins aidé en termes de développement pur, c'est à dire en termes de tapage de lignes de code, etc. Je tiens vraiment à remercier Monsieur Papalouf ou Bastien, que peut-être maintenant vous commencez à connaître un petit peu parce qu'il est présent sur pratiquement tous mes lives. Un gros merci aussi à Souchen et à Tabernak qui nous ont pas forcément aidé d'un point de vue encore une fois technique, mais vraiment, enfin d'ailleurs c'est le cas de tous les trois, mais surtout d'un point de vue extérieur, en disant ça c'est pas trop trop bien, ou il vaut mieux peut-être utiliser telle technologie pour faire telle chose, etc. Donc tous les trois les amis, un gros 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 merci à vous. Sans vous ça aurait pas pu être possible, donc merci à vous. Et puis à Sian qui s'est occupé aussi de pas mal de trucs au niveau de l'intendance, de gérer les rendez-vous avec telle personne ou avec telle personne, en disant ouais non mais parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui interagissent. Alors pour le moment on n'en parle pas trop, mais plus tard c'est des pseudos, je l'espère, qui reviendront assez fréquemment. Mais voilà, donc Sian qui s'est occupé de pas mal de trucs au niveau de l'intendance, de créer la page Facebook par exemple, d'alimenter le Twitter, de continuer à faire des lives pendant que moi j'avais pas le temps de pouvoir faire des lives, mais du coup elle a pris l'habitude de faire au minimum 2 streams par semaine. Donc voilà, donc Sian qui a continué à faire vivre le truc parce que moi j'avais pas du tout le temps de pouvoir m'en occuper. Et puis surtout gros merci à vous. Donc voilà, donc le projet, le truc est enfin lancé. On vous attend nombreux pour éprouver ce mécanisme là, voir si jamais il fonctionne bien, et donc du coup pour tout ça moi je vais rendre la parole à Monsieur Darkhaven. Des aventures, de l'humour, du fun, des fails, on vous attend nombreux. Ciao à tous et à très bientôt. Ciao ciao ciao.